Alors, laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire du grand dauphin. En latin, ça se dit Tursiop Truncatus. Dis donc, c'est moi qui raconte. Non mais... Tout d'abord, ce qui marque le plus quand on observe les dauphins, c'est le fait qu'ils vivent en groupe. En famille? Non, pas de famille chez les dauphins. Mais des départs et des arrivées en permanence. Le groupe change tout le temps. Mais certains liens sont très forts. Les animaux sont plus intelligents qu'on ne le croit. Ils sont vraiment incroyables, ces dauphins. Oui. Et tu as vu, ils sont parfaitement adaptés à la vie marine. Comme des poissons? Et pourtant, ce sont des mammifères comme toi et moi. Oui, ils respirent de l'air. Mais en même temps, ils ont des nageoires. Tu as raison. La dorsale qui stabilise le dauphin à grande vitesse. Les pectorales qui permettent de tourner. Et la caudale, très très puissante, qui donne au dauphin sa vitesse. Il nage jusqu'à 30 km/h. Ils sont très bavards. Écoute. Il y a des sifflements qui servent aux dauphins à se reconnaître entre eux. On appelle ça des sifflements de signature. C'est le sifflement de signature de Hamtan. Celui-là, c'est Parel. On entend bien la différence. Les dauphins sont également capables de produire des ultrasons. Ça fonctionne comme un sonar. En se basant sur l'écho de leur propre cri, les dauphins n'ont pas fini d'étonner les chercheurs du monde entier. L'équipe scientifique de Planète Sauvage a par exemple démontré très récemment qu'en plus de voir et d'entendre sous l'eau, les dauphins avaient le sens du goût et même un odorat. Encore plus fort, la même équipe a démontré que les dauphins perçoivent les champs magnétiques. Ils sont trop forts, ce sont les super-héros de la mer. Moi je dirais plutôt les athlètes de la mer. On a vu des dauphins rester 15 minutes sous l'eau et sauter à plus de 6 mètres de haut. Les animaux savent déjà se retourner, c'est juste pour vous expliquer comment on apprend un comportement. Vous entendez le petit coup de sifflet, c'est pour dire à l'animal bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Toujours suivi d'une sensation agréable.
Ensuite, la deuxième étape, une fois que l'animal sait se retourner et qu'il sait garder la position, on va faire ce qu'on appelle du modelage. Avec nos mains, on va faire bouger les pectorales de l'animal pour lui montrer le comportement que l'on souhaite. Comme vous pouvez le voir avec Sarah qui vous le montre. Toujours suivi du petit coup de sifflet et bien évidemment de la sensation agréable. Et là, ça sera un comportement. Et ensuite, l'étape finale, une fois que l'animal sait se retourner, qu'on a fait le modelage, on insère un geste au comportement, on le gratte juste entre les pectorales et vous voyez les pectorales du coup. Les dauphins connaissent beaucoup de comportements, c'est pour ça qu'à chaque fois nous mettons un geste. Les dauphins n'entendent pas notre voix humaine, c'est comme ça qu'on communique avec eux. N'hésitez pas à aller découvrir au village de Kirikou le stand et les animations du centre de conservation.